be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, tout se passe bien. Comme vous avez vu aujourd'hui, je suis tout content. Franchement, je suis content. Cette semaine qui est passée, là, franchement, c'était trop dur pour moi mentalement. Franchement, c'était dur parce que j'avais trop le crack et tout. J'étais pas bien et tout. Je me sentais bizarre en fait. Mais vraiment, quand je vous dis bizarre, c'est vraiment, mal. J'étais angoissé parce que je savais que j'avais une qualification à faire et du coup j'étais vraiment angoissé et j'étais vraiment très très mal et ça se voyait au travail. Hein. Je travaillais, on me disait qu'est-ce que t'as, t'es quoi, t'es énervé, t'as des soucis chez toi, alors que non, j'ai pas de soucis, si vous voyez bien, il n'y a pas de soucis, tout se passe bien ici. Je suis là, je fais mes vidéos, tout se passe bien, tout, c'est juste que j'avais le crâne. C'est de se qualifier pour le championnat de France. Et j'étais pas trop sûr de moi. Je me suis dit, si je me fais éliminer et tout, machin, comment ça va se passer et tout. Et du coup, ça s'est passé aujourd'hui, ce dimanche. Là aujourd'hui, à l'heure que je vous fais la vidéo, on est lundi. Et on est lundi soir. Et puis là, je vais publier la vidéo aujourd'hui. Puisque je viens de faire le judo aujourd'hui. Ça s'est super bien passé. Franchement, le matin, je me suis levé, j'étais angoissé, n'importe quoi. J'étais angoissé. On dirait que j'allais mourir. On dirait que c'était la coupe du monde. On dirait que c'était un événement que je me suis dit, putain, il faut pas que je rate ça. J'étais pas bien. Je me suis levé à 6h du matin. J'ai commencé à faire des pompes. J'ai pris mes poids. J'étais en train de faire de la musculation. Je faisais des séries de 10 pompes et quelques. En fait, je faisais le poids, en fait, j'ai soulevé les poids, mes deux poids que j'ai. Je faisais que ça, les 10 pompes, 20 pompes et tout. Et ça. Après, j'ai buvé mon maté, là, que vous voyez derrière. Je buvais une tonne de maté, tout ça. Après, j'ai fait du Atinem et tout. J'ai commencé à me motiver, je prenais mon petit déjeuner et tout. Et j'angoissais et tout. Et après, je suis arrivé, tellement j'ai bu du maté, même pour vous dire, j'ai tellement bu du maté que dans le chemin, c'est. On partait, c'était très loin en fait. Je ne me rappelle même plus c'est quelle ville. Vraiment. Je suis fatigué là. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Et là, à l'heure que je vous fais la vidéo, on est lundi. Franchement, ce week-end, c'était un très beau week-end réussi. Exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis en fait, après, je suis parti. Ça, dans les minibus, j'étais angoissé, j'avais envie de pisser et tout. Après, on arrive à côté de la salle de judo et puis le chef me dit attendez je vais prendre les pains au chocolat, enfin à manger pour midi et tout pour lui et le chef, pour les deux chefs en fait qui conduisaient, qui étaient devant le minibus et puis en fait voilà ils ont vu moi j'étais angoissé et puis j'ai envie de pisser et tout, après je suis arrivé j'ai pu faire mon petit pipi là, parce que j'avais tellement bu de maté que j'avais envie de pisser parce que j'ai pas assez mangé, j'ai plus bu du maté que mangé. J'ai mangé des croissants, un peu gâteau et tout. Et après, je suis allé pisser plusieurs fois et tout. Et après, le combat a commencé. Et franchement, j'étais angoissé. Et le chef me regardait et me disait, ah, mais là, tu suis bien dessus, hein. David, là, t'as peur, là. Tu fais pas de mal. Et je disais, oui. Et là, je commence à dire, je lui ai dit quoi tout à l'heure, je lui ai dit, saloperie. Tu vois bien que je stresse, que je tremble. Hein. Tu te moques bien de moi. Il a dit, comment ça, saloperie? J'ai dit oui, mais t'es là, tu me vois, je me stresse, tu vois bien, je tremble. Et après, le premier tour est arrivé, j'ai vu le bonhomme est arrivé. J'ai dit, allez, David, tu vas, il faut l'enchaîner, il faut se motiver. J'ai arrivé, j'étais là, je le tenais. Et après, il essayait. Et je voyais que le gars, il était plus angoissé que moi, le gars. Il était en train de paniquer. J'ai dit, ah, il panique lui aussi. Et dans ma tête, j'ai rigolé. J'ai dit, bah, allez, comment je vais l'enchaîner? J'ai resté debout pour pas tomber, pour pas qu'il m'enchaîne. Parce que tu tombes et du coup, tu tombes et il te met dans le dos. Là, t'as perdu 10 points, c'est fini. Ton combat, il est perdu. Et du coup, j'attendais, il essayait de m'enchaîner, il n'arrivait pas. Après, j'ai même pas mis 2 minutes. Boum, j'ai réussi à l'enchaîner. Je l'ai enchaîné bien correctement. Je sais même plus comment j'ai fait.
J'ai pris son pied, je l'ai fait tomber, je l'ai laissé sur le dos et j'ai attendu les 10 secondes sur mon passé. Et après 10-0. Et je regarde, il y avait un petit écran et c'était marqué 10-0. Moi j'étais ceinture rouge. J'étais tout content et après c'était fini, direct le combat était fini. J'étais refait là, j'étais content, j'étais exceptionnel. Et après, ça m'a fait du bien parce que moi qui étais angoissé et tout, je me suis dit, ah mais en fait je suis fort. Je me suis dit quand même, je suis pas si nul que je pense quand même, je suis fort. Et puis voilà, après ça s'est passé. Bon, après, je me dis quand même, ça va, j'arrive. S'il y a quelqu'un qui est angoissé plus que moi, entre les deux angoissés, et moi je peux y arriver. Du coup après il y a le deuxième tour qui arrive, mais moi je pensais que c'était fini. Je dis, j'ai enchaîné une personne, c'était fini. Moi je disais, dans ma vie, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, c'est fini. Et après on me dit, il y a une deuxième personne, je dis, ah c'est bon, je crois qu'ils vont finir par me terminer. Et je commençais un tout petit peu angoissé, mais ça allait mieux, parce que j'avais mis quelqu'un au sol et j'avais gagné 10-0. Ça fait bizarre, parce que c'est la première fois que j'ai fait ça, du judo de ma vie, une compétition comme ça. Et c'est la première fois que je voyais ça, je voyais dans le score, en rouge c'était 10 et en bas c'était à 0. Je dis, ah quand même, 10-0, moi 10-0 quand même. J'ai dit, ah quand même, je suis fort alors. Et après le deuxième tour, je revais la même, une autre personne, une personne qui vient comme ça, et je regarde, je fais le salut, tout, tranquille, dans le tatami, tranquille. Et après, je vais, je vois la personne, elle paraît que l'autre personne, elle lutte, elle essaie de m'enchaîner, elle n'arrive pas. Et après j'attends le bon moment. Je regarde, je me concentre, je reste tranquille. Après, boum, boum, je le laisse en moins de 2 minutes. Et par terre, et je reste comme ça. Il laisse de se débattre, qui n'allait pas. Je le bloque, j'étais tout content. Dans ma tête, je dis, reste comme ça. Et il y a le chef qui me disait, bouge pas, David, bouge pas, David. Je bougeais pas, je le bloquais bien. Et après, c'est bon, 10-0 encore. Je dis, ah, je suis trop fort. Pour moi, j'étais fort parce que c'est un espoir de gagner. En plus, j'ai jamais fait de judo de ma vie, j'ai jamais fait de la compète. En fait, j'en ai fait de judo, mais de la compète, j'en ai jamais fait de ma vie. C'est la toute première fois dans ma vie que je fais de la compète. Et après, deuxième tour, je dis, ah, je suis trop fort. J'étais tout content. J'étais challenge, là, franchement. Là, j'étais refait, là. Là, j'étais plus angoissé, là. En bois, c'était fini, ça. En bois, c'était fini, ça. Et après, il y a le troisième tour. On me dit, il y a le troisième tour. Je dis, ah, c'est bon. Il va y avoir combien 10 000 des tours. Et bon, à un moment donné, ils arrêtent, là. Je suis qualifié, on n'en parle plus. Et après, il y a le troisième tour. J'ai fait le premier tour, deuxième tour. J'ai eu les deux tours. Le troisième tour, je me dis, putain, allez, bon, allez, j'y vais. Et je vois une personne, elle est assez quand même physiquement. Et après, je me dis, bon, comme tout à l'heure. Et je la tiens. Je vois la personne, elle me fait comme ça, en fait. Elle me prend le truc, elle me fait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma tête? Je combattais tout seul. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Et je bougeais comme ça et tout. Et je dis, dans ma tête, je dis, qu'est-ce qu'il fait? J'entendais le chef, il me dit, allez, David, prends le pied, allez, enchaîne, allez. Vous n'allez pas danser comme ça pendant longtemps. Et dans ma tête, je dis, je le laissais, il n'arrivait pas, je regardais ses pieds et tout, et j'étais comme ça et tout. Et je voyais pas, en limite, je voulais mettre la veste sur la face que je vois pas, je le vois pas, les pieds et tout, je voulais me cacher. Il faisait comme ça, le gars. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Après, je l'ai mis par terre. Et après, j'ai attendu le bon moment, je l'ai mis par terre, et après, j'ai attendu. Une fois que j'ai attendu comme ça, et après, j'entends les chefs et tout le monde me dit, bouge pas. Après 10-0, je regarde, dès que c'est fini, je regarde parce qu'il y avait un petit écran, comme vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure, je vous montrais un peu une expérience, parce qu'il y avait un combat au début quand je suis arrivé, des combats, et j'ai filmé un peu, parce que personne ne peut me filmer, le chef disait non, on va pas se filmer, ça, on parle pas, ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai laissé, je vous montrais un extrait de le combat, l'endroit où vous allez voir la vidéo, mais moi, c'était tout au fond là-bas que j'ai combattu mes victimes. Et du coup, la personne qui m'avait tenu comme ça, là, et bien en fait, après, je l'ai mis par terre, et j'étais content, là, je vois dans le truc, c'est marqué 10-0, et je dis, ah, quand même, 10-0, moi, 10-0, quand même, je sais pas, quoi. Après, c'est fini, et j'ai fait les 3 tours, et j'avais enchaîné tout le monde, j'étais content, je dis, ah, j'enchaîne tout le monde, je sais pas, quand même. Alors que j'avais le crâne, je me suis dit, ils vont me terminer, mais je me suis qualifié, la qualification, c'est du cadeau, on m'a dit, ah, je suis bien. Et après, bon, je peux quand même le dire que bon, Il y a un match, mais c'était d'une autre poule, je pense, parce que moi j'étais premier dans ma poule. Et c'était d'une autre poule, c'était un match d'entraînement, là où une personne qui était ceinture noire, que j'ai fait la photo sur Snap, je pense que vous avez vu, c'était un des anti, je sais plus c'est quoi. J'ai fait une photo sur Snap, pour ceux qui ont vu ma photo sur Snap, avec quelqu'un que j'ai marqué même sur Snap, qu'on est tous les deux terminés premiers dans notre poule. Et ceux qui regardent mes snaps,
Comme vous allez voir dans la fin de la vidéo, il y aura mon snap qui est publié de temps en temps, je la publierai. Et même sur Instagram, vous allez le voir, c'est marqué la personne avec qui j'ai été premier. Chacun, on a été premier chacun de notre poule et après on a combattu. Et lui, il m'a mis par terre direct, l'espérance, il m'a mis direct par terre. Mais dans ma poule, j'étais premier, j'étais qualifié et tout. Et du coup, j'étais tout content et tout. Après, ils disent le dernier match, mais le chef me dit, vas-y, fais le match, c'est ce qu'il faut le faire, c'est un match d'entraînement. Et après, je l'ai fait. Et puis voilà, j'ai remporté ma petite médaille, j'étais premier. Et normalement, j'ai la photo de premier, je pense que je la mettrai sur ma vidéo, sur ma chaîne, si jamais le chef m'envoie la photo. J'ai la photo là où j'ai terminé premier, et voilà, ça c'est ma petite médaille. Ma petite médaille que je vais vous montrer, regardez. C'est ma petite médaille de bonne qualité quand même. Hein. Une performance quand même. J'ai quand même galéré hein, mentalement. Hein. Ce petit morceau de... C'est pas de l'or, c'est un petit, on va dire, un petit... je pense pas que c'est de l'or, c'est une petite médaille pour moi. Et franchement, pour cette petite médaille, j'en ai bavé quand même pour avoir ça. Mais comme tout, hein, ça s'est bien passé. Et je suis content puisque j'étais bien soutenu par mon chef et j'étais bien entraîné. Je pense que là, comme vous avez vu, j'ai la ceinture jaune et si je continue comme ça, je vais changer de ceinture, je vais faire orange et tout. La ceinture noire, ça peut arriver même en 2-3 ans ou même en 1 an, peut-être l'année prochaine, si je reste encore ou pas. Comme c'est dur les judo, je ne sais pas si je vais un peu reprendre le foot peut-être après l'année d'après, je vais reprendre les judo, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Mais bon. Franchement, c'était trop trop bien. Après, je voulais faire du judo, je voulais en refaire. Franchement, c'est tellement bien. Désolé si la vidéo fait plus de minutes, mais franchement, il faut que je vous débriefe ma joie, quoi. C'était trop exceptionnel, c'était génial, franchement. Ce qui était bien, c'est qu'en fait, j'étais tellement angoissé que finalement, quand j'ai battu la première personne, quand je l'ai mis au sol, après, ça s'est enchaîné. Et je me suis senti fort. Et j'ai vu en fait des jeunes qui me regardaient travers et tout. Et je me suis dit, eux, ça se trouve, je joue contre eux, ils vont me terminer. Ils avaient l'air nerveux, ils me regardaient, ils disaient, si, rien que du regard, j'ai tout compris. Ils me regardaient, ils me disaient, si je joue contre toi, si je te combats toi, je te termine. Et moi, je reste calme, tranquille. Je les attendais, mais je n'ai pas joué contre ces gens. Mais dans le championnat de France, je pense que je vais jouer contre des gens très puissants qui vont peut-être me mettre même au sol du premier tour ou quoi. Mais moi, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Pour moi, c'est que je me suis qualifié et que je suis allé au championnat de France pour la première fois. Et que j'ai remporté cette petite médaille. Là. Ça sera un bon souvenir pour moi, cette médaille. Et franchement, je suis content. J'ai passé un très bon dimanche. Et voilà, je vous laisse regarder un peu l'endroit où je me suis que j'ai combattu, mes victimes. Franchement, ça m'a fait plaisir. Il y en a un, je l'ai pris, il est venu direct. Il est venu se présenter, j'ai fait le bonjour, tranquille. Et il est venu, et j'ai enchaîné direct. Donc, il n'a même pas cherché à comprendre. J'ai pas y passé le temps. Hein. J'ai d'autres choses à fêter, je me suis mis dans la tête. On va pas y passer le temps. S'il faut le faire, il faut le faire. J'ai regardé comme il m'a dit, il cochetait un peu et tout. Je dis, bon, lui, je sais pas, direct. Et après, le match il était fini. C'est ça qui est bien dans le judo. Le match peut être fini rapidement. Mais franchement, c'était exceptionnel. Je vous laisse regarder un peu et j'ai dû filmer un petit combat histoire de vous montrer le lieu là où j'ai combattu. Et puis voilà, franchement, la personne là où je regardais, c'était un petit combat, mais je regardais comme il combattait et tout. Bon, je n'ai pas tout montré la vidéo, mais je montrais un petit peu parce qu'après on m'a appelé pour me changer, etc. Et voilà, je regardais un peu comment les gens ils combattaient bien, ils s'enchaînaient bien. Ça, c'était une autre série, c'était peut-être des championnats de France, je sais pas c'était quoi, mais c'est une autre catégorie plus haute que la mienne. Et puis voilà, je regardais un peu, alors, je restais concentré, c'était quand j'étais angoissé, je regardais ça. Et ça m'a mis un peu dans le bain. Et puis... Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous laisse regarder le peu de combats que je vous les ai laissés. Et n'hésitez pas à regarder à la fin de la vidéo mon Instagram qui est marqué sur le truc qui va sortir là, sur la fiche qui va sortir, il y aura mon Instagram à côté et mon Snap, si vous voulez m'ajouter sur Snap, n'hésitez pas, et vous allez voir les performances de fois que je fasse en cuisine, les gâteaux, ou bien qu'est-ce que je fais sur le judo, tout ça, regardez mes vidéos, etc. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, quant à moi, je suis très content, aujourd'hui dimanche, bon, je fais la vidéo dimanche, parce que là, on va dire le dimanche soir, mais la vidéo est publiée lundi soir. À l'heure que je vous parle, là, on est lundi soir.
Oui, enfin, on va voir le lundi soir, parce que moi, je l'ai fait les 22h, on est dimanche, je vous dis. Mais je l'ai publié demain, parce que je suis fatigué, et j'ai un petit problème de connexion, excusez-moi, c'est pour ça que je l'ai publié pas aujourd'hui. Et franchement, je suis content. Hein. Et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, et puis, là, les chefs et tout. Je suis très, très content. Voilà, c'est réglé, je suis qualifié. Je suis quand même fort, quand même, hein, finalement. J'ai tellement angoissé que ça m'a rendu fort. Mais bon. Je pense qu'au championnat de France, ça sera plus pareil. Je serai éliminé peut-être direct, mais c'est pas grave. Je ferai quand même une vidéo du championnat de France que je me suis battu, etc. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. Mais d'ici là, il y a encore un bon mois qui va passer avant que ce soit le championnat de France. Et puis voilà, je ferai sûrement une vidéo du championnat de France, comme ça s'est passé. Salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vais aller dormir tranquillement. Demain, il y a le travail. Après le judo, il y a le travail. Et puis voilà. Ah. Thank you.